Bienvenue à Couvenège. Merci de me dire bienvenue. Hein. Salut toi. Tu désires quelque chose? Parler? Dire bonjour. Salut, bienvenue à Couvenège. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu une nouvelle tête par ici. Tu viens de la capitale? Tu ne ressembles pas à un touriste. Tu es venu par tes propres moyens? Que faire ici? Tu veux savoir quoi faire à Couvenège? On a de quoi manger chez Drillby, ou Drillby, pardon. De quoi lire à la bibliothèque. Si tu fatigues, tu peux aller à l'auberge. C'est juste à côté. Ah, ça s'en occupe. Et si tu t'ennuies, tu peux aller dehors pour regarder ces squelettes faire leur cirque. Il y en a deux. Mon frère, je crois. Ils sont arrivés un jour et ils se sont installés. La vie est devenue bien plus animée depuis. En fait, je m'en plaigne. Hein. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a à acheter ici? Gants de maro, héros attaque, vu que j'en ai déjà un. Bandana viril. Esquimo, gagne 11 PV deux fois. Lapin cannelle. Et 1. Ouais. Ensuite. Non. Je vais acheter le bandana viril. Tac. La def. Je vais m'acheter un biscuit. Et voilà. A plus. Reviens quand tu veux. Alors. On va regarder. Bandana viril. J'ai tué du bandana viril. Dans les objets, on a quoi? Un janel, pansement? C'est ça. Pansement, soigne 10 PV, il a déjà été utilisé plusieurs fois. Ok. On va sauvegarder ici. La vue d'une ville si chaleureuse vous emplit de détermination. À chaque fois, c'est la même phrase. C'est. Mais empli de détermination. Lisez la boîte. Non, pas besoin de la boîte. Hôtel. Maman dit que te reposer peut rétablir ta santé. Au-dessus de tes PV maximum. Quoi? Des PV maximum? Question. Bienvenue à Couvgit, meilleur hôtel de Couvneige. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Une nuit coûte 80. On va partir pour l'instant. Bon, et eh bien, reviens quand tu veux. Vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à l'autre bout de la ville? Essayez donc les tunnels sous neige. Ils ont été efficacement disposés. Okay. Ah, c'est si calme ici. D'habitude, un de ces chiens court après mon pauvre Chanel. Dame semble être de bonne humeur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait flipper. Tu sais ce qui est attendrissant? Deux chiens mariés s'échangent toujours des cadeaux sous le sapin. Toujours la même chose, un os. À chaque fois, ils ont l'air aussi surpris que si c'était la première fois. Papyrus vient reprendre ses os. Ses os. D'ailleurs, où sont passés ces deux-là? Ah. Et un sapin soigneusement décoré. Certains cadeaux sont destinés aux habitants de la part de Papa Noël. Yo, t'es un enfant toi aussi, hein? Je le sais parce que t'as un pull rayé. Apparemment, si t'as un enfant, t'as un pull rayé. Je ne sais pas trop, mais c'est peut-être possible. Donc, ok. Si t'es un enfant, t'as un pull rayé. C'est une bonne distinction, hein.
Normalement, ça fait fureur, hein, les poudriers. Ok, on continue. Cette ville n'a pas de maire. Mais s'il y a le moindre problème, un squelette ira le dire à une dame poisson. Et c'est ça la politique. Et Drill. On dirait juste que tout va de pire en pire. On sait tous que l'autre monde est loin d'être parfait. Mais on continue de sourire. Quoi ça? On ne peut rien y faire, alors à quoi bon être triste? Ouais, c'est impossible. Okay. Intéressant, ce design. Ah, bah, lui, ah quoi. C'était trop calme dans ce bar. Allez quoi, secouez-vous. Et voilà pourquoi je déteste cet endroit. La nourriture des humains est différente de celle des monstres, non? Genre, Berim, ça. Et quand tu la manges, elle passe à travers de ton corps. Et que, j'aimerais bien essayer un jour. Ok. Les chavos font partie de la garde royale. Les... Hein? Que sont-ils passés? Il y a vraiment un truc qui cloche, là. Aujourd'hui... Je ne sors pas pêcher. Et je compte bien. L'humble pilier de barre que je suis se sent comme un poisson dans l'eau. Surtout lorsqu'il s'agit de mettre les sardines en boîte. De jouer au poker contre lui-même. Je dirais bien qu'il est en train de perdre. Il est obligé de perdre contre soi-même, mais bon, normal. La capitale devient surpeuplée. Apparemment. Les gens vont commencer à venir ici. Okay. On aura peut-être beaucoup de place. Le bot ne fonctionne pas. Bien. Ok. Ridri te servirait bien un verre d'eau, mais il est dangereusement allergique. Donc, on ramène où ça? Non, plus loin d'ailleurs. Donc on... la bibliothèque. Le regard que tu as, celui de quelqu'un qui était ses mots croisés, n'est-ce pas? Possiblement. J'adore travailler pour ce journal. Tellement peu à raconter qu'on ne fait que le remplir de jeux et de bandes dessinées. Quand j'étais plus jeune, les professeurs en manque d'idées me donnaient des mots mêlés. À l'époque, je pensais que c'était une perte de temps. Et regarde-moi aujourd'hui. Seul spécialiste senior en création de mots mêlés de tout l'autre monde. Amour, espoir, compassion. On raconte que ces éléments constituent l'âme d'un monstre. La nature véritable de l'âme. Après tout, les humains sont la preuve même qu'une âme n'a pas besoin de tout ça pour exister. Bienvenue à la bibliothèque. Oui, on sait, il y a une faute pour le panneau. Panneau ? Ah oui. Bibliothèque. Bibliothèque, oui. Très bien. Fais attention à ça. La boîte aux lettres indique que papyrus. Regardez dedans. Ah oui. C'est vide. Et Sans? Ah oui, ça doit être comme ça. Sans, hein. C'est une boîte aux lettres pleine de publicité. Qu'y a-t-il ici? Fermé de l'intérieur. C'est fermé. Donc,
On peut aller sur la droite, enfin, vers l'est ou vers le nord. C'est que ça. J'ai fait rentrer les enfants. L'endroit me semble dangereux aujourd'hui. L'endroit se semble dangereux aujourd'hui. Ah, quel beau toc toc. Donc si je ne réponds pas, il reviendra. Ah, c'est ça les blocs de glace que j'ai vus à la mer. Je comprends. D'accord, ok, donc il faut vraiment aller ça c'est la maison de papier aussi ça veut dire. J'ai bien compris. Ça passe par ici. C'est le brouillard en fait, c'est ça? Hein? Permets-moi de te parler de sentiments complexes. Sentiments comme quoi de rencontrer un autre gourmet de pâtes. Admiration qu'on peut éprouver face aux choses d'autrui. Désir d'avoir une personne cool et intelligente que je trouve en tout. Sentiment. Tiens, ce moment. Je ne peux t'imaginer ce que cela doit te faire. Où je suis quasi parfait. Je n'ai même pas à me demander ce que ça fait d'avoir des amis. Comme je te plais. Comme je te plains partout. Je te plains. Tu n'as personne pour t'admirer. Mais les craintes. La solitude va enfin prendre fin. Moi, grand papyrus, je vais devenir ton... Non. Non. Non, pas du tout. Je ne peux pas être ton ami. Tu es un humain. Je dois te capturer. Pour enfin accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Sans, populaire, prestigieux. Voilà ce qu'est Papyrus. Le tout nouveau membre de la garde royale. Papyrus bloque le passage. C'est décidé. Voyons alors si tu peux résister à ma légendaire attaque bleue. Ah d'accord. C'est le blues désormais. Voilà mon attaque. Nickel. Admis. Russe, évalue la situation. Maintiens le bouton. Il me dit même comment faire. Et il se met à glousser. À quelle hauteur peux-tu sauter? Ah. Hop là. Et il essaie très fort d'avoir l'air cool. Tiens haut pour sauter plus haut, zut quoi. Tire sur le mur, nié. C'est ça, on n'oblige pas à utiliser mon attaque spéciale.
déjà sentir le parfum du succès. Et aussi chef de la garde royale. Et aussi pas les terres de l'extrême. Et aussi très fort d'avoir l'air cool. Undyne serait vraiment fier de moi. Roi Tyrion est à l'effigie de mon sourire. Comment savoir si leur amour sera sincère? Oui, d'accord. T'as capturé ton emprisonnement. Ah, on peut pas esquiver ça, c'est pas bon. Oh, ça spécial. Hé, hey, crétin de chien. Tu m'entends? Arrête de mâchouiller cette tosse. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Et ça s'appelle revient. Bon, tant pis. Je vais me construire une tête normale très cool. J'ai une tête parfaitement normale. Quoi ça? Eh bien, ouf, il semble clair que tu ne me attrapes pas. Ouais, tu vas te remettre dans tes bottes. Et quand ce grand papyrus va se montrer magnanime, je vais t'épargner. Voilà ta chance d'accepter ma clémence. Yo, oh. Je ne peux même pas arrêter un
Être si faible, ça va tellement décevoir Undyne. Je ne joindrai jamais la garde royale et mon nombre d'amis restera le même. Soyons amis? Vraiment? Tu veux qu'on devienne amis? Plus bête, un bloc. J'y aurais cru que pour se refaire, il fallait juste les casse-crânes idiots et les combattre. Je te crois en retour la permission de passer. Et je vais te dire comment retourner jusqu'à la surface. Continue tout droit jusqu'au bout de la caverne. Quand tu seras à la capitale, franchis la barrière. C'est le sceau magique qui nous retient coincé ici. Facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Sauf si on a une âme assez puissante. La tienne. Voilà pourquoi le roi désire s'emparer d'un humain. Il veut ouvrir la barrière grâce à son âme. Si, nous pourrons retourner à la surface. Oh, j'ai failli oublier. Pour atteindre la sortie, tu vas devoir passer par le château du roi. Le roi de tous les monstres. Et... Roi de nos inoffensifs. Le monde adore. Je suis sûr que tout ce que tu as à dire, c'est... Pardonnez-moi. Que... Grimur. Je peux rentrer chez moi? Il te guidera lui-même à travers la barrière. Bref, assez tergiversé. Tu serais chez moi où tu peux être un ami. Reviens quand tu veux pour traîner avec moi. Ça y est, on en a fini avec Papyrus. Enfin, même si on est devenu son ami. Yo, toi aussi tu fais le mur pour aller la voir? Enfin, aller voir qui? Génial, à vous, elle est trop cool. Je veux être comme elle quand je serai plus grand. Undyne? Enfin, et va pas dire à mes parents que je suis ici surtout. Ah. Voici une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend. On s'arrête. C'est une fleur d'écho. Elle répète la dernière chose qu'elle entend sans arrêt. Okay. Le son de l'eau se déversant avec fracas vous emplit de détermination. Regardez. Ouais. Sans. Quoi? Jamais entendu parler du double emploi? Heureusement, emploi dit pause. Je vais chez Grilby. Oui? Ouais. Bon, si tu insistes, je peux bien m'accorder un peu de répit. Par ici, je connais un raccourci. C'est pas mal, comme un raccourci, hein. Salut tout le monde. Bonjour Sans, ou Sansune. Mal. Hey Sans, t'es pas déjà passé prendre un petit déj? Non, ça va bien faire une heure que j'ai pas pris le petit déj. On fond sûrement avec le brunch. Vas-y, mets-toi à l'aise. Oups, déjà foutu, pose tes fesses. On trouve parfois des coussins péteurs sur les sièges. Alors, voyons voir ce menu. Prends quoi? Un burger. Ça m'a l'air pas mal. Bilby, ce sera deux burgers, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que tu penses? De mon frère? Cool. Évidemment qu'il est cool. Toi aussi tu aurais la classe si tu portais le même costume. D'ailleurs, c'est vraiment une plaie pour lui faire retirer. Ah, au moins il le lave. Et j'entends par là qu'il le porte même sous la douche. Ah quand même. Ah, voilà la bouffe. Un peu de ketchup? Ouais, bien sûr. Bon appétit, Bia. Vous voyez le ketchup. Enfin, vous versez le ketchup, pardon. Le bouchon saute et tout le contenu de la bouteille finit dans votre assiette. Oups. No problemo. Prends de ma part. J'ai pas très faim de toute façon. Enfin bon. Tout le pack ouf, bien avoué qu'il est le paquet. Tout pour ce qui est d'essayer d'intégrer la garde royale.
Un jour, il s'est pointé devant la porte du château de Hagard et il l'a supplié de devenir l'un des leurs. Évidemment, comme il était minuit, elle lui a claqué la porte au nez. Demain, il poireautait toujours devant sa porte. Admiratif devant un tel dévouement, elle a fini par l'entraîner. Ça suit son cours. Ah, au fait, je voulais te demander. T'as déjà croisé une fleur qui parle? Ouais. Alors tu dois être au courant. La fleur d'écho. Machin pousse partout dans les marais. Quand on lui cause, il répète ce qu'on lui dit sans cesse. Oh. Ben, l'autre jour, Papyrus m'a sorti un truc intéressant. Il paraît que parfois, quand personne ne regarde, peur apparaîtrait et lui murmurait des choses. Des mots, des conseils, des encouragements. Des prédictions. C'est louche, hein? Quelqu'un doit se servir de ses fleurs et cours pour lui faire une farce. Ouvre l'œil, Dach. Merci. Comment ça c'est. Le temps s'est stoppé. Juste pour qu'on ait cette conversation. Bon, bah c'était une belle pause ma foi. T'as pas honte de m'empêcher de bosser aussi longtemps? Ah, au fait. J'ai plus un rond. Ça te dérange pas de régler? C'est seulement 10 000. Plaisante. Lui, mets ça sur mon ardoise. 10 000. Pas assez. Ah, une dernière chose. J'allais dire un truc, mais j'ai oublié. En fait, j'ai même pas mangé le burger, en fait, finalement. Ça. Donc il y a Papyrus ici. Ok. Si je monte là-haut maintenant, je vais trouver quelque chose d'autre. Non. Et là il y a Papyrus. Donc bien. Papyrus. Ainsi tu reviens pour me voir. Tu as l'air de vraiment prendre ça au sérieux. Je vais t'emmener à un endroit très spécial alors. Un endroit où j'aime passer du temps. La maison. Le caillou, compagnie de mon père. Et compagnie, j'oublie toujours de le nourrir. D'habitude. J'ai dû prendre ses responsabilités. Le caillou est recouvert de vermicelle sucrée. Un livre de blagues. Regarde à l'intérieur. Oui. Dans le livre de blagues se trouve un livre de physique quantique. Regardez à l'intérieur. Dans le livre de physique quantique se trouve un autre livre de blagues. Regardez à l'intérieur. Et dedans un autre livre de physique. Ok. Essayez d'arrêter là. Bienvenue dans mon humble demeure. Je suis comme chez toi. D'accord. Je dis. Une chaussette sale avec ma série. Avec une série de post-it au-dessus. Sans, ramasse ta chaussure. Ta chaussette, merci. Ok. Elle repose pas après. À autre part. Ok. Elle a bougé de 2 cm. Là dans ta chambre. Ok. Et ne la ramène pas. Ok. Elle est encore là. Toi qui m'as dit de pas la ramener dans ma chambre. Oublie ça. Un symbole intemporel. Me rappellera toujours ce qui compte dans la vie. La porte est verrouillée. Ouais. Je passe dedans, mais bon. Voici ma chambre. Tu as fini de visiter. On pourrait aller dedans et traîner ensemble comme deux super potes. Entrez. Ouais. Ah. Pas mal la chambre. C'est toutes les attaques que j'ai utilisées sur toi. Super souvenir, hein. Je m'en souviens comme si c'était hier. Bah oui, il y a 2 minutes.
Même si ça vient juste d'arriver en fait. T'as un ordi? L'internet, j'y suis plutôt populaire. Une douzaine de plus et j'aurai une dizaine d'abonnés. Hélas, impossible d'échapper à la rançon de la gloire. Les derniers temps, un troll jaloux me harcèle en ligne. Il m'envoie souvent des blagues idiotes en minuscules. Je sais pas, Sans, par hasard. La page des réseaux sociaux est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Ce livre est l'un de mes favoris. Créer des énigmes sophistiquées pour esprit critique. Le livre d'à côté est aussi l'un de mes préférés. Je joue à cache-cache avec Froufrou le lapin. La fin m'a marqué à vie. Il est pas cool ce drapeau? Ouais, Undyne l'a trouvé dans la baie. Je pense qu'il vient du monde des humains. Peut-être tu dois te dire, pourquoi les humains colleraient-ils un skate aussi cool sur un drapeau? Eh bien, j'ai une théorie sur le sujet. Je pense que les humains sont en fait les descendants des squelettes. Absolument. Ah oui, les figurines. Très utiles pour mettre en scène d'épiques combats. Pourquoi j'en ai autant? Disons qu'elles m'ont été offertes par un homme. Odieux et souriant qui aime faire des surprises. J'ai bien deviné. C'est le Père Noël. C'est mon lit. Si un jour je vais à la surface, je voudrais conduire sur une longue route, sentir le vent dans mes cheveux, soleil sur ma peau. Bien sûr, tout ça n'est qu'un rêve. Ou je voyage en dos de temps. Voilà. Il n'y a pas de squelette dans mon placard. Sauf moi, parfois. Regardez dans le placard. Oui. Les habits sont soigneusement rangés à l'intérieur. Ok. Et donc, si tu as vu tout ce que tu voulais voir, je voudrais qu'on commence à traîner ensemble. Traîner avec Papyrus. Oui. Ok, traînons ensemble alors. Début du traînage. Et voilà, on traîne ensemble. Je n'ai jamais fait ça avant aujourd'hui. Pas d'inquiétude, on n'est pas préparé sans plusieurs lettres. Bon. J'ai emprunté un authentique guide du traînage habituel à la bibliothèque. Éclaté. Voyons voir. Étape 1. Appuyez sur C pour afficher l'écran d'amitié. Waouh, ça fait beaucoup d'informations. On devrait être OK pour étape 2. Étape 2. Posez-lui de traîner ensemble. Hein? Moi, le grand Papyrus, je t'invite maintenant à traîner avec moi. Vraiment? Waouh! Je suppose qu'on peut passer à étape 3. 3. Bien s'habiller pour faire bonne impression. Attends une seconde. S'habiller. On en a autour de ta tête. Porte des habits en ce moment même. C'est pas tout. Alors, tu portais aussi des habits? Non, dis-moi pas ce que c'est pas vrai. Tu voulais qu'on traîne ensemble depuis le début? Oui. Non. T'avais tout prévu? Quel talent en matière de traînage. Non. Pouvoir de l'amitié. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Car moi, le grand Papyrus, je n'ai jamais été et ne serai jamais surpassé entre nous. Je peux très bien faire comme toi. Car vois-tu, moi aussi je porte des vêtements. En réalité, j'ai toujours ma tenue spéciale sur mes vêtements normaux. En éventualité où quelqu'un voudrait traîner avec moi, admire. Type. Que penses-tu de mon style secret? J'adore. Non. Compliment sincère. Amitié en hausse. Cependant, je ne comprends pas encore le vrai pouvoir de cette tenue. Par conséquent, ce que tu viens de dire ne compte. Le traînage n'ira pas plus. Sauf si tu passes à jour mon secret. Mais tu n'y arriveras pas. Roger est examiné avec Z. C'est moi qui ai amélioré ce haut en écrivant cheat dessus. Astuce de pro. Ça marche avec toutes les fringues. C'est pas un secret. Juste un bon conseil. Casquette. Casquette. Ma casquette. Eh bien, tu as trouvé mon secret. Parce que je n'ai plus le choix. C'est un cadeau. Un cadeau juste pour toi.
souffrir. Est-ce que tu sais ce que c'est? Bien sûr. Spalletti. Tu te dis, hein? Bien sûr. Et tu as tort. Non. Tu n'as pas ici à faire des spaghettis ordinaires. Ceci est un travail d'artisan. Soyez Spalletti. Il est dans un tonneau en chaîne. Prépare-moi le grand chef Papyrus. Hein? Il est temps d'en finir. Voici le clou du spectacle. Prenez une bouchée. L'usage se crispe subitement. Le goût est indescriptible. Expression, plus d'émotion. On adore ma cuisine. Et donc, par extension, tu m'adores. Peut-être même plus que je m'adore. Ah! Non! Demain, tout est clair désormais. Je t'obsède complètement. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est parce que tu tiens à moi. Demain, moi aussi, je ne souhaite que ton bonheur. Il est temps pour moi d'exprimer mes sentiments. Il est temps pour moi de te dire que, moi, Papyrus. Eh bien, je suis flatté par ta dévouement. Mais du calme, d'accord? T'es vraiment quelqu'un de bien. Je suis content qu'on soit amis. Mais pour exploiter pleinement ce potentiel, il faudrait commencer. Moi plutôt que moi. Hé, la solution. Tu devrais traîner avec ma patronne, Undyne. Je pense que si tu diversifies tes fréquentations, on sortirait beaucoup mieux. Ouais, soyons potes avec une. Oh, et si tu veux me contacter, voilà mon numéro de téléphone. M'appeler quand tu veux. Mais pas genre des roses, merci. Bon, faut que j'y aille. Voilà, on est amis. On est devenu amis avec Papyrus. Enfin, plus Camille d'ailleurs, j'ai l'impression. Vraiment super pote. Là. Je sauvegarde à nouveau. Je pourrais se refaire un de ces jours. L'heure de l'écho. Le but dans la vie est de décrire le fonctionnement de la fleur d'écho. Et personne ne doit savoir ça.